Le cinéma, en compagnie donc de Jodie Foster, qui est ce soir notre invitée. Ce soir, c'est plus la réalisatrice que l'actrice, d'ailleurs, qui va répondre à nos questions. Jodie Foster va nous parler du Petit Homme, un film qu'elle vient de réaliser et qui a enthousiasmé le tout Hollywood. On regarde tout de suite un petit extrait, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Voyons cela. You need a belt, kid. No, I don't. I just need a tuck in my shirt. You need a belt. Hey, how about if we just say, see you tomorrow? Is that a goodbye, huh? If you send me the checkbook, I'll balance it for you. I think I can take care of that, Freddy. Who's gonna water the plants? Hey, you forget about the plants, okay? Forget about the checkbook. Gonna have a great time. So are you. Every day that I know you, I admire you a little bit more every day. Every day I say to myself, this little kid is exactly the kind of person I want to be. I mean, let's face it, you're the best thing that ever happened to me. So don't worry so much. Jodie Foster, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce film raconte donc les égarements d'un enfant qui est un petit enfant génial. Vous avez vous-même débuté sur les écrans à 3 ans. Est-ce qu'il y a un petit côté autobiographique dans tout ça? Est-ce que vous vous retrouvez quelque part? Oui, un petit peu, parce que j'ai vécu quand même une vie, entre guillemets, pas normale, mais je n'étais pas un surdoué, je n'étais pas plus intelligent que les autres, j'étais seulement dans un métier assez prodige, quoi. Alors comment ça s'est passé avec le petit garçon? Je suppose que vous l'avez épié, vous l'avez aidé, ça a dû vous rappeler des tas de souvenirs, non? Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même 25 ans que je suis devant la caméra, alors j'ai pu quand même lui donner un petit peu les expériences, mais finalement j'ai trouvé que lui, il travaillait du même façon que moi. Il C'était était très plutôt de naturel l'instinct. dans le fond. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène des enfants stars aux États-Unis? Je vous pose la question parce qu'il y a plus d'enfants stars aux États-Unis, vous êtes bien placé pour le savoir. Que chez nous, comment ça se passe? Oui, enfin, il faut dire que j'ai dû être une quand j'étais Ben petite. oui. Oui, pourquoi pas? Moi, je trouve que les histoires des enfants sont intéressantes. Et pourquoi avoir les enfants qui jouent des personnages, des vrais personnages, au lieu de toujours jouer des petits objets innocents, quoi. En plus, ils sont très spontanés, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Ça passe bien. Alors désormais, vous êtes à la fois donc actrice et réalisatrice. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur en ce moment-là? Sur le plateau, vous êtes d'abord réalisatrice ce soir. Oui, enfin, je ne pourrais jamais choisir entre les deux, non. Certainement pas. C'est vrai que ça prend deux parties très différentes de la personnalité. Une partie, celui du réalisateur, qui est l'intelligence, l'analyse, tout ce qui est ordre, ordonnée, forme. Et puis l'autre partie, qui est plus spontanée, c'est vraiment la partie de l'actrice qui est... Enfin, la danse, quoi. Ouais. Je suppose qu'on vous apporte beaucoup de papiers, beaucoup de scénarios. Qu'est-ce qui fait que vous craquez pour un film plutôt que pour un autre? Aussi bien d'ailleurs comme actrice que comme réalisatrice. C'est la vérité, finalement. Si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'émotion et de la vérité, alors. Oui, ça peut même être une comédie. Ça n'a rien à voir avec l'humour, mais c'est une partie, quelque chose qui est vrai, qui touche, qui est mou. Est-ce qu'à Hollywood, là j'ai un certain nombre de questions que se posent les Français, que je brûle d'envie de vous poser, là puisque je vous tiens, je vais vous les poser. Est-ce qu'à Hollywood, le mythe de la star est encore bien vivant? Oui, enfin c'est un différent mythe. Il faut dire qu'il y a deux couches finalement d'acteurs. Il y a ceux qui sont les stars, les movie stars comme on dit, et puis il y a les acteurs normaux comme moi. Et je Vous êtes pense quand même un que... peu au-dessus de la moyenne, hein. Quand on a eu un Oscar, je ne crois quand même pas Madame Tout-le-Monde, non? Oui, mais je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que je suis reconnue pour mon travail et pour les personnages dont j'ai joué, et pas tellement parce que... Je porte un jean et je me mets sur les journaux. Ouais. C'est un petit peu différent. Parlez-moi du Silence des agneaux. Là, vous êtes nominé, je crois. Non, je ne sais pas si on dit comme ça aux États-Unis. Oui. Vous êtes nommé, vous êtes en course pour les Golden Globes aux États-Unis, oui. Hein, pour votre rôle. Et là, vous incarnez une héroïne. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage? C'est le côté un peu mythologique du héros. Oui, et certainement, c'est la première fois dans le cinéma américain, je pense, c'est la première fois qu'une femme partage le mythe de l'héros. Hein. Normalement, c'est seulement les hommes qui vont dans les forêts de l'expérience rencontrer les démons. Alors, c'est la première fois pour nous que vraiment une femme partage cette folklore. Mm-hmm.
Et ça s'est bien passé, hein. C'est un film qui marche très fort. Hein. Ça marche très fort parce que c'est un bon film, parce que ça incarne aussi autant la littérature et la entertainment, comment on dit, le spectacle. Le spectacle. C'est tous les deux. Une dernière question indiscrète, comment avez-vous fait pour apprendre le français comme ça, pour le parler aussi bien? Parce que là vous m'épatez. Hein, ouais. Je suis allée à un lycée français, et puis aussi j'ai passé pas mal de temps en France. Ouais. Qu'est-ce qui vous séduit en France, plus qu'aux États-Unis? Oh, enfin, ça fait partie de ma personnalité un petit peu. J'ai passé pas mal d'années de mon enfance ici. Alors c'est surtout, pour moi c'est la culture, c'est la langue. C'est quelque chose, que, quand je parle français, là, pour le moment je parle pas aussi bien parce que j'ai passé très peu de temps ici. Mais quand je parle français pendant pas mal de temps, ça me séduit, c'est la langue qui me séduit surtout. Merci, très vite, parce que là on est pris par le temps. Si vous deviez tourner en France et si vous aviez la possibilité de choisir un réalisateur, ce serait qui? Un seul, je ne sais pas. Surtout tous ces metteurs en scène de la Nouvelle Vague, j'aimais tellement, Chabrol, Lelouch, Louis Malle. Merci, je rappelle que votre film, intitulé Le Petit Homme, sort le 15 janvier prochain sur les écrans. Merci et on croise les doigts pour les Oscars, les Golden Globes. Merci. Merci. Pour ceux qui ont raté le début de ce